Bonjour, bonjour, je te souhaite la bienvenue pour cette mini, mais alors une mini séance d'études de la langue. Nous sommes le mardi 26 mai et c'est parti. Eh bien, comme d'habitude ces derniers jours, on va commencer par un petit lecture chronomot. Je te rappelle le principe. Le but, c'est que tu apprennes à lire de plus en plus vite sans faire d'erreur. Donc, tu vas améliorer ta lecture et ça va beaucoup t'aider pour lire des livres, des histoires et pouvoir vraiment te plonger dans l'histoire que tu es en train de lire. Alors, je te rappelle le principe, tu as un chronomètre à côté de toi ou un téléphone, tu lances le chrono et tu regardes combien de temps tu mets pour lire une liste. Tu fais ça 3 fois de suite et là, je suis sûre qu'au bout de la troisième fois, bah, tu lis déjà beaucoup plus vite. C'est parti, aujourd'hui on a une liste de mots. Voici la liste du jour. Alors je te laisse mettre la vidéo sur pause et c'est parti pour les 3 essais chronométrés. Si tu as rencontré des difficultés pour lire les mots de la liste, eh bien je vais te les lire tout doucement, donc tu peux suivre avec moi et ensuite tu pourras faire tes 3 essais. Résultat. Rutabaga, croquis, tranquille, épinard, concours, radar, jaunir, renard, crêpière, primitif, tricoteuse. Alors, j'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas que là, le but, c'est de lire, de pouvoir décoder rapidement. Le but, c'est pas de comprendre les mots, hein. C'est vraiment de savoir quelles sont, font les lettres quand elles sont ensemble. Ok? Allez, je te laisse réessayer. Tu peux mettre la vidéo sur pause. Nous allons maintenant passer à un petit exercice écrit. Alors, je te propose de commencer par préparer ton cahier. Nous sommes le mardi 26 mai et nous sommes en séance de grammaire. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu prépares ton cahier. Alors pour aujourd'hui, je vais te proposer le même type d'exercice que ces derniers jours, c'est-à-dire on va travailler entre l'accord, entre le sujet et le verbe. Tu sais que ce sont de grands copains et qui doivent être toujours d'accord. Donc si le sujet est au singulier, le verbe est forcément au singulier. D'accord? Je te laisse réécrire. Le but, c'est de reconstituer ces phrases. Tu as des sujets qui te sont proposés ici et tu vas devoir les placer dans les bonnes phrases avec, n'oublie pas, un accord parfait avec le verbe. D'accord? Donc tu recopies ces phrases sur ton cahier, applique-toi au niveau de ton écriture. Le but, c'est aussi de s'entraîner à bien écrire. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu fais cet exercice. C'est parti. Alors voilà, super, tu as terminé. Moi, je te propose de prendre une photo de ton travail et de me l'envoyer. Comme ça me permet de voir ton évolution et surtout de m'assurer que tu as bien compris l'accord entre le sujet et le verbe. Comme ça, si tu as des difficultés, ça peut arriver et c'est normal. Je pourrais t'accompagner et te proposer de l'aide pour bien comprendre cette notion qui est très, très, très importante pour bien écrire sans faire de faute. Eh bien voilà, je te l'avais dit, cette séance est toute, toute, toute petite et elle est déjà terminée. On se donne rendez-vous sur le blog parce qu'on va continuer la lecture. Le livre qu'on est en train de l'album qu'on est en train de lire en ce moment avec tous les autres CE1. C'est parti!